Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International et merci de nous renouveler votre fidélité. Good day, Monique Naosi, and thank you for choosing Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. Champion of Africa have been booted out of the AFCON competition. The Desert Foxes out of Algeria were beaten by the Elephants of Cote d'Ivoire 3-1. The Elephants put up an electrifying performance to dethrone the defending champions at the Japoma Stadium Plus. La meilleure équipe d'Afrique, d'après le dernier classement FIFA, quitte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en phase de poule. L'Algérie a été battue hier 3-0 au stade de Japoma par les éléphants de la Côte d'Ivoire. L'Algérie rejoint ainsi le Ghana, un favori sorti aussi prématurément de la compétition. And the population of Godi Bakoko have accused elites of the area of doing very little to spring up development and remove the people from abject poverty. The people have been decrying the absence of portable water and other basic amenities, which stands as hindrance in their development. In this newscast, they gushed out recently at the chieftaincy to make their problems heard. C'est la calmie entre forces de maintien de l'ordre et les conducteurs de motos de Yokadouma. Exaspérés par les contrôles intempestifs, ces transporteurs d'engins à deux roues ont fait entendre leur courroux. Tout est désormais rentré dans l'ordre. D'Algérie, tenant du titre, quitte prématurément la compétition. Ils ont été méconnaissables hier face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, battus 3-1. Ils quittent la compétition en phase de poule et ayant marqué un seul but. L'équipe algérienne a donc quitté le Cameroun tôt ce matin. Le programme des huitièmes de finale affiche dimanche prochain Burkina Faso, Gabon et le Nigeria rencontrera la Tunisie. Lundi, ce sera au tour de la Guinée-Bissau de rencontrer la Gambie et le Cameroun sera face aux Comores. Mardi, Sénégal, Cap-Vert et Maroc, Malawi. Mercredi, l'affiche nous présente Côte d'Ivoire, Égypte et Mali, Guinée équatoriale. Dans quelques minutes, nous allons justement vous présenter l'ambiance que le village de la CAN de la Côte d'Ivoire pour cette 33e édition de la Coupe Total Energy, la CAN Total Energy 2021 a livré. Ce sera au cours de ce journal. Mais avant, nous nous rendons à Bafoussam avec Walter Bertrand pour vivre ces campagnes d'assainissement qui sont mobilisées par les agents du ministère de l'Environnement pour assainir les aires de jeu, les fans zone avant, pendant et après les matchs. Reportage. Comme un dessin d'abeilles dans un champ de fleurs, un groupe d'hommes et femmes ou chasubles jeunes se déploie autour du stade de compétition de Kwekon et dans toutes les fans zones de l'Ouest. Grand lieu de concentration humaine lors du déroulement des matchs, des soldats de propreté. Dans une opération qui rentre dans le cadre de la veille environnementale organisée par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. L'activité consiste à ramasser les bouteilles plastiques et plus largement les plastiques et les autres déchets qui traînent dans à l'esplanade du stade de Kwekon. Un seul objectif, assurer la propreté avant, pendant et après, avec une grande sensibilisation. Non, nous avons toujours dit qu'il faut que les participants, les visiteurs de cette CAN, que tout le monde respecte la propreté, que tout le monde jette les ordures dans les poubelles. Nous avons veillé à ce qu'on ait les seaux poubelles partout dans les fans zones. Il faudrait que les gens jettent les déchets dans les poubelles parce qu'il vaut mieux éviter de salir que de salir pour nettoyer après. Et nous procédons également à la veille, à la surveillance
surveillance des pollutions, que ce soit les pollutions de l'air, les pollutions de l'eau, les pollutions des caniveaux, parce que nous nettoyons aussi les caniveaux, et nous veillons avec les partenaires d'assainissement qui sont la communauté urbaine et ISACAM à ce que tous les déchets soient enlevés dans les meilleurs délais pour que nous vivions notre canne sans déchets, nous vivions notre canne dans la propreté. Assainir l'environnement pour une canne sans déchets, un slogan qui gagne du terrain. Tout de suite au village de la Canne de la Côte d'Ivoire qui a mené l'Algérie hier sur un score de 3-1. C'est avec Titi Freeman. Au village des éléphants ici à Bonapriso, les Ivoiriens célèbrent leur victoire. Une rencontre à succès face au Fennec d'Algérie, vécue sur place par la grande communauté ivoirienne, heureuse du score final, 3-1 en faveur des éléphants. Autour du ministre ivoirien de la promotion des sports et de l'économie sportive, des invités de marque, au rang desquels Monsieur et Madame Chatué, président directeur général du groupe TV+, venu communier avec la nation sœur. La Côte d'Ivoire est venue sur le bord du Vouri pour marquer son territoire. Vous l'avez vu avec l'ouverture de ce village des éléphants. Nous démontrons ainsi que les relations assez fortes, multiséculaires entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont une réalité vécue par les peuples. Nous sommes rentrés dans cette compétition par une victoire sur la Guinée équatoriale, par un nul heureux des Sierra Leonais. Et aujourd'hui, ils ont montré leur suprématie en écrasant littéralement les Fennecs d'Algérie. Donc les éléphants arrivent, ils barrissent, ils avancent et nous sommes convaincus qu'ils iront très loin. Le sport, c'est la convivialité, c'est le fair play, c'est de rassembler les peuples. Donc au-delà de nos différences, ce qui doit faire notre force, c'est notre diversité qui doit nous enrichir. Donc l'enjeu de la compétition ne doit pas tuer le jeu. Et nous voulons demain nous retrouver avec nos frères camerounais, certainement en finale, et que le meilleur gagne. Nous souhaitons que le meilleur, ce soit les éléphants de Côte d'Ivoire. Des liens d'amitié et de fraternité indéfectibles des peuples frères de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, matérialisés une fois de plus au cours de cette célébration riche en ambiance. Notez que les éléphants terminent premier de leur poule après cette victoire avec 7 points et affronteront lors de la prochaine étape les pharaons d'Égypte. Second part of the news with you, Regina Likeet and Dak. Merci beaucoup, Monique Naosi. And the reigning champions of football in Africa have been booted out of the African Cup of Nations 2021. The Desert Foxes of Algeria were beaten by the Elephants of Côte d'Ivoire 3-1. And Equatorial Guinea equally booked their qualification ticket with a 1-0 win over Sierra Leone. In Group F, debutants, the Gambia imposed her supremacy with 1-0 win over the Carthage Eagles of Tunisia to claim the second spot of the pool, and Mali equally overpowered Mauritania with 2-0, thrashing to the top the group with 7 points. The parents of the 8 finals, now known as follows: Burkina Faso will take on Gabon, Ivory Coast versus Egypt, Morocco will take on Malawi, Senegal versus Cape Verde, Cameroon versus Comoros, Mali versus Equatorial Guinea, Guinea versus Gambia, Nigeria versus Tunisia. Matches for the next round to kick off this Sunday, January 23rd. And motorbikes are a major means of transportation, especially with an influx of persons for the AFCON game 2021. And the motorbike riders have been exhorted to be on their best behavior in order not to tarnish the image of the nation. This report with you, Morinzi. Henriette is a motorbike taxi driver in Cameroon's economic capital, Douala. A job she engaged into some 15 years ago and continued to brave the insults of her male counterparts for diving in a sector reserved just for the men. She tells me her challenges keep swelling daily in the region, which counts over 500,000 motorbike taxi drivers and even more. She decries
the attitude of her colleagues towards passengers and calls for a change of mindset. Bike riders should be patient towards passengers. They should respect everyone they find on their way. They must not insult those who attack them. They should learn to ignore such insults. What I do is that I smile over such insults to earn respect. The lady in her early 30s says squeezing two passengers or more on a single bike is unprofessional and dangerous. I transport just one passenger on my bike. I make sure my motorbike is clean, myself I'm clean and receptive. And most often I propose my services. She believes going through formal training and obtaining the right documents should be the watchwords of each bike rider. An exemplary bike rider should go through formal training. This will enable him to master the highway codes, respect road junctions, know the right place to park, and many others. Some bike riders we spotted talked on the importance of going through formal training. We came here to add our training to increase more than what we know about the bike rider. To train them, to advise them how to be with passengers. It is a roadless jungle where disrespect for the highway code is a norm. Reason why driving experts are insisting on the continuous training of bike riders, especially during this period of the African Cup of Nations. Monique Nnauzi now take us to talk about the high-level delegation meeting of the CEMAC Commission that took place here in the nation's economic capital, Douala. Effectivement, Regina Leke tanda que selon le président de la commission CEMAC, Daniel Onaondo, l'intégration sous-régionale sera progressive et pour l'instant, on table davantage sur l'aménagement des infrastructures de développement de base. Il s'agit des transports, il s'agit de l'énergie, il s'agit également des technologies de l'information et de la communication. Il y a 2 ans, une convention a été signée entre l'Union européenne et les pays de la CEMAC à l'effet de mettre sur pied une commission qui va assurer l'identification des projets et la recherche des financements pour mettre sur pied ces infrastructures. Reportage. À travers les projets d'infrastructures tels que les transports, l'énergie et les TIC, la CEMAC veut interconnecter les pays de la sous-région. Ça demande un financement conséquent. En 2015, l'Union européenne et l'Afrique centrale, représentées par la CEAC et la CEMAC, signaient à Bruxelles une convention de financement pour un montant de 330 millions d'euros, dont 125 pour le volet des infrastructures régionales. C'est insuffisant. Cette convention préconise une approche coopérative de financement appelée blending, un mixage de dons et de prêts. L'Union européenne ne peut pas tout financer, donc il y aura toujours un gap. Il faut trouver les financements privés. Donc je crois que ce sera cette approche qui est tout à fait blending, qui permet d'approcher les investissements publics et les investissements privés. Donc c'est une approche novatrice qui est nouvelle dans notre sous-région et à laquelle nous adhérons. Pour obtenir un meilleur impact des fonds alloués, une mission d'assistance technique du consortium COVIE-ECORIS a été commise auprès des commissions de la CEMAC et de la CEAC pour identifier les projets d'infrastructures régionales dans les secteurs des TIC, transport et énergie et trouver des opportunités de financement en mode blending. La principale condition est de trouver une institution financière qui soit intéressée à financer et collaborer avec la subvention de l'Union européenne pour mobiliser ces prêts. Donc ça signifie que les États membres devraient avoir l'espace fiscal pour pouvoir accéder à des financements qui seront à des taux concessionnels, mais toujours devront être remboursés. Cet atelier de Douala a pour objectif de partager les résultats de la mission d'assistance avec l'ensemble des bénéficiaires du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale. La convention cadre Minepia, Minader Université de Ngaoundéré, est déjà opérationnelle. Le 25 juin 2021, ces différentes entités ont signé un mémorandum d'entente à l'effet de capaciter les agents de l'État qui exercent dans l'élevage et l'agriculture. Erengele, pour plus de précisions. C'est un programme financé par l'Agence française de développement via le programme du ministère de l'Agriculture, PCPAFOP.
Les bénéficiaires de la formation sont d'abord les responsables du ministère de l'Agriculture, ainsi que les formateurs des écoles spécialisées d'agriculture, et ceux du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Pendant 3 ans, l'Université de Ngaoundéré, à travers la Faculté des Sciences de l'Éducation, va former ses formateurs des formateurs en ingénierie de formation en développement rural, un programme qui se décline en master professionnel pour mieux adresser les difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. On a eu à observer des situations qui n'allaient pas dans un sens favorable en lien avec la formation dans le domaine agricole. Comme vous le savez, il existe de nombreuses écoles de formation en milieu agricole. On a eu à constater que les enseignants n'étaient pas suffisamment outillés et les enseignants n'avaient pas de visibilité par rapport à leurs objectifs à atteindre pour favoriser justement le développement des compétences de leurs apprenants. Ça a donc amené les autorités du MINADER et du MINEPIA à réfléchir. La convention cadre entre le MINADER, le MINEPIA et l'Université de Ngaoundéré a été signée le 25 juin 2021. Mais les pourparlers datent de 2012. Ils sont donc venus des quatre coins du pays dans l'objectif de renforcer leurs capacités sur le plan de l'ingénierie politique, l'ingénierie des dispositifs de formation et l'ingénierie pédagogique et didactique. L'ingénierie de formation, c'est d'abord une démarche. C'est une démarche qui consiste à lire l'environnement dans lequel on évolue, à détecter des situations qui posent des problèmes, à élaborer un dispositif de formation pour réguler et ensuite à faire le suivi évaluation. La convention dure 3 ans et le système de formation va alterner des cours en présentiel et à distance. Promotion à l'éducation, à la citoyenneté, solidarité nationale, justice sociale pour les personnes vulnérables. Ce sont des valeurs qui marquent la semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat. Bien, les participants sont venus des quatre coins du Cameroun sous l'égide du ministère des Affaires sociales. La ministre Pauline Irène Nguéné prescrit, entre autres, une attention particulière aux personnes vulnérables et la mise sur pied d'un registre social unifié. Ambroise Fogué, Moussa Takou. Assistance sociale, la nécessité d'une mobilisation des communautés à tous les niveaux pour une réponse collective énergique se prescrit. La demande nationale est grande. Lors des élections, j'ai dit au préfet que, mais comment, monsieur le préfet, je vois seulement les Bantous. Et nous, les Baka, nous ne sommes pas les Camerounais. Un Baka peut être président. C'est fort de ce constat qu'à l'occasion de la 5e édition de la semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social, Pauline Irène Nguéné est à Kribi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de ces personnes socialement vulnérables? Évaluation des perspectives de l'action sociale de proximité. Un état des lieux sans complaisance et d'aboutir à des recommandations visant à améliorer l'existant. Le thème choisi cette année se veut un booster pour la mise en œuvre de la protection sociale des personnes vulnérables, au-delà d'être une jauge pour la décentralisation dans le secteur des affaires sociales. Comment pourrions-nous assurer d'une croissance inclusive si un point d'honneur n'est pas mis sur une prévention et une réduction substantielle des risques sociaux qui sont de nature à maintenir et à accroître la fracture sociale et à reléguer au banc de la société des hommes et des femmes dont la contribution pourrait être déterminante en vue de l'émergence de notre pays. La disponibilité d'une ligne verte et d'un site d'accueil pour migrants, par exemple, est plus que vitale. En marge des travaux dans la cité balnéaire, le ministre des Affaires sociales en a profité pour vulgariser le guide de l'éducation à la citoyenneté des peuples autochtones pygmées Bagyéli et Bakola. L'intégration sous-régionale par l'aménagement des infrastructures de développement, vous dites, Regina Leke, Tandak. Effectively, Monique Naosi, representatives of the CEMAC Commission and those of the European Union are currently meeting in the nation's economic capital, Douala, to evaluate some developmental projects that has to do with transport, ICT and energy. The meeting in Douala is intended to evaluate the results that have been obtained so far. Our reporter Gladys Ambo-Debang was at that high-level delegation meeting here in Douala and brought back this report. The financing agreement to the tune of €350 million that was signed in 2015 between CEMAC, ACRES and the European Union equally advocated for an innovative approach to infrastructural financing called blending, a mix of grants and loans aimed
at obtaining a better impact from the funds allocated under the 11th European Development Fund. The technical mission of the consortium that was contracted to support the CEMAC Commission in identifying regional infrastructural projects in the energy, ICT and transport sectors and analyze funding opportunities is presenting its results for validation this January 20 in Douala, Cameroon. To look for financing, not just from the European Union, but the European Union grants will act as a catalyst to find financing from international banks like the World Bank or the African Development Bank or other financial institutions in order to leverage several times what could be just a contribution of the European Union. For 2 days, participants will select mature projects considered eligible for the blending financing mode adopted by member states. The expectation is to pre-select a certain number of projects that we could take to the next step and help the member states of the CEMAC and CRC to get financing to make them become reality and contribute to the opening and the integration of the region. We want to find projects that are really feasible, both technically and financially, and have the required development impact to make a difference in the region. The president of the CEMAC Commission, Daniel Ona Ondo, emphasized on the need for beneficiaries to use part of the subventions to stimulate investments and for member states to set up a database of projects to facilitate mobilization of resources. Now, 1 week after the very first babies of the year 2022 were born at the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproduction Teaching Hospital, Krasé, they've received special parcels from Cameroon's First Lady, Madame Chantal Biya. Now, the gifts were handed to the babies alongside their mothers via an emissary, as you tell us, Beatrice Ngamo. Special gifts from Cameroon's First Lady Chantal Biya to the first babies delivered at the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproductive Teaching Hospital, Krasé. The parcel includes bouquet of fresh rose flowers, boxes for mothers and babies, and well-parceled gifts for both. The matron welcome gest to the newborns delivered last week at the hospital. Message her emissary carried to the babies alongside congratulations to the mothers Thursday at the hospital. The mothers, women now enjoying motherhood after painful years of waiting for God's intervention, now very true in their lives today. Thanks to this fertility hospital by the presidential couple, their joy know no bound, starting from the Almighty God to their matron for the long-awaited gift. On a la joie. On a la joie de porter ce bébé avec elle. Their gratitude also goes to all hospital officials who took care of them all through the long process. This, as they encourage other troubled women out there to be brave, patient, prayers for God's time. The three first 2022 babies, like the others delivered here at the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproduction Teaching Hospital, Krasé, are conceived via in vitro fertilization. And Monique Nnauzi now take us to Godi Bakoko to talk about the people in that area who are angry that their allies are not doing much for the development of the area. Exactement, Godi Bakoko, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les populations réunies il y a quelques jours demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Pas de route aménagée, pas d'adduction en eau potable. Eh bien, Espoir Baïha, Samuel Baïha, nous présente l'image d'une terre désolée qui attend et qui est un lendemain meilleur. Reportage. Les habitants de Ngodi Bakoko, le désespoir mêlé à la colère, ne voient plus l'image d'une existence de misère au quotidien. Vécu décrit, le temps sans complaisance, mais l'allure mendiant, le cri de détresse émis. Le village même qui s'occupe de ces routes. Quand il va falloir, comme la saison de pluie arrive, là, il va falloir commencer à faire les têtes. On monte, on descend pour trouver un engin à ranger la route.
l'eau potable. Nous n'avons pas l'eau. Nous vivons avec les forages que vous voyez. Chacun creuse, on est obligé de boire. Dieu seul sait comment nous vivons ici. Manque d'infrastructures de base. Les fils du canton Godi-Bakoko ambitionnent la reconstruction de leur village. Mais un préalable freine le développement. Le chef traditionnel, le troisième degré, Sa Majesté Koloto, qui ne cesse de tendre les mains à ces différentes familles de venir s'asseoir pour que les problèmes de la collectivité n'aillent plus à l'extérieur. Donc, vous savez, on ne peut pas entrer ici dans le fond du problème. C'est de ça qu'il est question. On appelle ici, c'est le rassemblement. C'est-à-dire d'appeler tous les fils Ngodi-Bakoko de se retrouver autour du chef pour construire le village. Ce n'est que ce que je veux. Parce qu'en construisant le village, nous allons beaucoup gagner, nous tous. L'union, un vœu manifeste. Mais au-delà de cette évocation, l'insécurité aussi est à bannir. Nuit et jour, la sécurité veille dans tous les blocs et un compte rendu est fait au chef ici. Où il y a une cellule de coordination de la sécurité. Cette rencontre fraternelle était aussi l'occasion justifiée pour apporter le démenti sur les nouvelles répandues sur le canton Godi-Bakoko. L'artiste Nom Tsebo est au Cameroun, Redina. Yes, Monique Naosi, South Africa, singer, songwriter and feature artist of the popular song Jerusalem, Nom Tsebo Zigode, is currently in Cameroon first to show support for the Lions in the African Cup of Nations and equally to do some concerts across the country. She arrived at Yaoundé Simalène International Airport yesterday. Our reporter Beatrice Ngamo was there and now tells us more. South African singer, songwriter and featured artist of Jerusalem, Nom Tsebo Zigode, at the Yaoundé Simalène International Airport with her welcome bouquet of flowers in hand. Her mission to Cameroon in the heart of the Continental Jamboree. I'm here for my tour in Cameroon. I was told that people from here, they love me so much and of course to support Cameroon. I'm hoping that it's going to be a beautiful and amazing tournament. Jerusalem was not only a hit song all over the world, but also became a dance challenge. Nom Tsebo tells the story behind the song, Jerusalem. I wrote the song because I was about to give up. So I was actually talking to God. It's actually a prayer because I was saying, God, never leave me here. My home is not here, but my home is in Jerusalem. At that time when I was writing the song, I didn't know that Jerusalem does exist on earth, but I was thinking that it's somewhere maybe on heaven or maybe it's somewhere in paradise, you know, where you have everything around you. It can be like fruit, wine, everything, you know. Like Jerusalem, she has come to the country of the Indomitable Lions with another song. You know the meaning of the song, it says, forgive me, Lord. I do want to do good all the time, but I'm a sinner because I'm living in this world whereby it's not easy to do good all the time. And Monique Daossi, talk about this new innovation about the purification of air. Effectivement, et pour que Nom Tsebo soit en parfaite santé dans les milieux clos au Cameroun, nous lui recommandons le purificateur d'air. Reportage. Avec la montée du Covid et de tous ses variants, les purificateurs d'air prennent de plus en plus de l'ampleur et s'imposent comme un partenaire incontournable de la santé au quotidien. De plus en plus des voix se lèvent, en l'occurrence les députés européens, comme de véritables avocats des purificateurs d'air. Aujourd'hui, je me fais l'avocat des purificateurs d'air. Vous le savez, ils sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, et notamment pour stériliser les blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée. Pour que ces lieux de contamination puissent être équipés rapidement de purificateurs intérieurs, ces purificateurs d'air allient sécurité, efficacité et simplicité. Ils sont des tueurs de virus. Ils conduisent à un abattement de la charge virale de 99% dans une enceinte de plusieurs mètres cubes, pouvant contenir en permanence la charge virale à un seuil ne permettant pas les contaminations. Une étude financée par la région Rhône-Alpes sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Une étude financée à hauteur de 180 000 euros vient d'aboutir et assure une très bonne efficacité de ces appareils. Écoutons le président de ladite région, Laurent Vauquier.
Elle nous dit que les purificateurs d'air, ça marche. Elle nous dit qu'à 99,9%, ça permet de supprimer la présence du Covid dans un espace donné. Elle nous dit aussi qu'une fois que le virus est piégé à l'intérieur de l'appareil de filtration d'air, eh bien, il ne ressort pas et au bout de 48 heures, il dépérit. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où l'on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Une étude scientifique britannique vient de confirmer la performance des purificateurs d'air. Installés dans l'unité Covid d'un hôpital de Cambridge, ces appareils, équipés de filtres ultraviolets, utilisés 24 heures sur 24, ont éliminé la quasi-totalité du virus. Alors, les aérosols, ce sont des micro-gouttelettes potentiellement chargées en virus et donc qui peuvent contaminer ceux qui les respirent, notamment dans la contamination du Covid-19. D'accord. Et donc, il est indispensable de se munir d'un purificateur d'air afin de pouvoir filtrer cet air et rejeter un air pur pour que, justement, vous ne soyez pas contaminé par diverses bactéries et vous ne tombiez pas malade. Puisqu'il s'agit d'une question de santé publique, la question ne se pose plus qu'il faille ou non se procurer un purificateur d'air. La réponse est évidente. La santé n'a pas de prix. Eh bien, c'est sur ces informations du purificateur d'air que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du 13h Journal Bilingue sur Canal 2 International. Merci de nous avoir regardé à Yaoundé Angoulou-Macon et à Esse, Reginald Eketandak. Yes. Good afternoon. Good afternoon, morning now. Say thank you so much for watching. We wish you an excellent weekend and we hope you spend the weekend in the company of programs on Canal 2 International. But for now, it's goodbye and God bless.